Allez, tu te Enlève le 15, la fesse. Ça a tiré sur ma fesse. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. On est là pour faire des fusions. Il n'aime pas quand il y a du monde. Il y a trop de monde. Tu me fais des trucs comme ça quand il y a plein de gens aussi. Le dernier épisode c'était sur Basifit. Aujourd'hui on se retrouve à Keep Cool. On vous a dit qu'on allait aller s'entraîner, mais on va se faire virer là. Non, mais on devait aller à la partie NES à la base. Ouais, mais on peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'existe plus. Alors on a fait une heure de route, on a tourné dans tout l'île pour trouver une salle. C'est la seule qui était dispo. La partie NES a fermé dans notre secteur. Déjà, si celle-là elle fait 3000 vues, on va à Maison Alfort. Ah ouais, déjà merci, on a 4000 vues en... J'ai saucé là un peu, non? Deux jours. On était à... Elle les aura fait quand la vidéo sortira. 3600 vues, ouais, elle les aura fait les 4000 vues, donc merci à vous, vous êtes de plus en plus présents sur la chaîne, ça fait plaisir. Et là on part voir le déconfinement à Keep Cool. Quoi? C'est pas fermé, c'est impossible. Déjà c'est fermé. C'est impossible. Lundi, non, c'est ouvert, regarde, il y a monsieur à l'accueil. Bonjour. Vous êtes fermé? Non. Les séances découvertes, c'est encore faisable pendant le Covid? C'est sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Ouais. Donc là, c'est pas possible. On fait une mini-série où on visite les salles de fitness pendant... Surtout en ce moment avec le Covid. Ouais, c'est impossible. Ça vous aurait fait un peu de pub, puisqu'on a fait Basic Fit, Fitness Park. Bon, vous n'avez pas besoin de pub, là. Vous êtes quand même tout cool. Non, je suis désolé. En plus, avant, j'aurais dit oui, allez-y, sans problème. C'est pas comme si on était seul. Ok, bon, il n'y a pas de problème, Il n'y a aucun problème. La catégorie d'âge qui s'entraîne ici. On va faire une petite interview. Cool. Hein. Ah, ça n'a rien à voir avec Basic Fit. Basic Fit, c'est assez jeune. Donc si vous êtes un peu plus âgé, Keep Cool, c'est une bonne salle pour vous. C'est bon. Bah, merci. Ça marche. Ouais. Bah, je vous remercie, c'est gentil. Bonne journée. Allez, au revoir. Bon courage. Voilà, fin de vidéo. Merci d'avoir regardé Fitness Fusion. Non. Par contre, j'ai vu sur le panneau, ils ont pris plein de mesures. J'ai vu qu'il faut porter une visière. Il faut se laver les mains, il y a des bandes au sol. Ouais, donc ce qu'on retrouve dans... Ici aussi apparemment. Dans les salles. Ce qui est différent, c'est qu'à Basic Fit, les séances d'essai, elles sont annulées pendant le Covid. Ici, on pouvait faire une séance d'essai, mais il fallait réserver sur le site internet. Bon, on devait faire une séance épaule, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de Keep Cool. Est-ce qu'on essaye une autre salle ou on se casse? Et on fait l'intro ici, on leur met... J'ai ça dans mon sac, ouais. On a changé de caméraman, hein, si les plans sont dégueulasses. Ouais, je sais moi comment il te met dans la sauce. Wells Gaming. Wells Gaming. Il en a profité. Non, mais toi, c'est toi qui va monter. C'est vrai qu'il a une chaîne YouTube, elle sera en description, n'hésitez pas à aller voir les potes. Non, c'est moi qui le dis, c'est moi qui fais la pub à Walid. Ok les guerriers. Non, on fait pas la Non, mais je te connais. Salut les guerriers. Ok, ouais, j'ai toujours Ok les guerriers. L'intro la plus longue de nos vidéos, on se retrouve sur une deuxième salle, Carpe Diem. Ma première salle de muscu. Donc on en a fait trois aujourd'hui pour vous faire cette vidéo, donc regardez-la bien jusqu'au bout, mettez le like. Troisième salle aujourd'hui, Apart Fitness, fermée. Keep Cool, refusez, faut réserver, on le refera dans une prochaine vidéo. Et on va essayer Carpe Diem, suivez-nous, on va voir si on va rentrer. Tu prends sur la caméra aussi? Ça te dérange pas? Non, en soi c'est calme. C'est bien, il y a pas grand monde. Ah, c'est ouais, ça a bien changé. Mais... Ouais, ici, il y avait la vis-à-vis, elle était là avant. Oh, tu l'as vu. Vous voyez ça? Putain, on fait pas les pecs aujourd'hui. Non, enfin, football de ligue, t'es un ouf ou quoi? La poulie, c'est la même qu'à l'orange bleu, j'ai l'impression. Ouais. C'est vous l'avez récupéré là-bas? Qui c'est qui finance ça? Ça marche bien, Carpe Diem? C'est ça. Nous, en fait, l'avantage, c'est qu'on a fidélisé. Et puis, nos adhérents, je prends l'exemple du confinement. L'exemple du confinement, il y a très peu d'adhérents qui ont réclamé leur mensualité. Ouais, alors qu'à Basic Fit, tout le monde a réclamé l'argent. Ça, on vous connaît. Hein. Alors que dans les petites salles comme ça, où les... Tout le monde se connaît ici. Voilà, on veut soutenir le gérant, on va lui laisser le mois. Bah, c'est parti. Hein. Bonne séance. Je te remercie. Tu peux te filmer quand tu fais des trucs comme ça. Vous voyez pas le caméraman, il est tout stock et il fait des trucs comme ça devant le miroir. On se retrouve après l'échauffement. Allez, boum. Ouais. On se retrouve après l'échauffement. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est liker la vidéo et vous abonner. Et on se retrouve après, simplement. On a parlé un peu au gars, donc il n'y a pas grand chose qui a changé pour lui. De toute façon, ici, c'est une petite salle. Très petit, ouais. Donc on s'est lavé les mains, il y a des flèches au sol. Et maintenant, place à l'entraînement. Je pense que pendant les périodes de rush, il doit y avoir max 10-15 personnes ici et là-bas, tu vois. Genre 10-15 ici. Reste sur le corps, donc ça va. Il n'y a pas besoin de grosses normes, c'est pas comme Fitness Park ou Basic Fit. Ouais, parce qu'il y a peu de monde. Eux, leur argent, ils le font surtout sur les cours. C'est ça. Donc là, séance épaule, séance de pimousse, qu'est-ce que tu nous as prévu? Tu veux que je te fasse un plan détaillé direct? Non.
étape par étape. Là, on va commencer aux élévations latérales. Direct. Élévation latérale pour commencer. Et ensuite, on verra. Ça va, cool. On va scolariser un petit peu. Le saut latéral dès le début, là. Ok, on est parti. On va développer la puissance. Moi, je prends le 12. Je travaille sur les charges correctes. Je ne charge pas. Est-ce qu'on peut voir ton épaule? Après. Oh lolo. Eh, après. Il y a bien travaillé quand même. Quoi? Ah, parce que monsieur s'est pas entraîné pendant le confinement. Le bras est vite revenu. Moi, je doute. Ah, commence pas, toi. C'est toi qui me fais mes cures et tu viens pleurer. Ah, c'est propre, là. C'est bienvenu. On commence à voir les deltoïdes, même avec le t-shirt. Mercredi, il y a une vidéo qui sort, le QVPDM. Bon, au moins, vous le savez, vous avez des dessus. La vidéo a été faite juste après le confinement. Donc, si son physique aura changé d'ici là... C'est normal. J'ai pris un peu des épaules. Ah, parce que je les bosse beaucoup. C'est là que... Je les bosse beaucoup. Ah, tu les bosses. Pardon. Mais tout se met derrière moi quand il filme. Parce que t'as un de ses culs, gros. Mais non, mais je travaille les épaules. Mets-toi de profil. Mets-toi sur le côté, au pire. Tu vois cette barre, là? Ouais, je sais, tu l'as poussé. Un an et demi de développer couché ici, 130 kg en maxi. Alors la première séance de musculation qu'on a fait ensemble, donc on avait déjà fait des séances au poids du corps, mais en salle, la première salle qu'on a fait ici. Ensemble, c'est ici. C'est ça. Il m'avait préparé une séance abdos, oh là, je m'en souviens encore. Avec des disques de 20 kg, fallait faire des viscerites, c'était n'importe quoi, des relevés de jambes. C'était un vrai malade mental. Mais ce bon là aussi, je me souviens qu'on avait fait des pecs avant de faire. J'aime vraiment. On avait fait pecs, triceps, abdos. Je suis pas objectif, mais j'aime trop cette salle, frère, c'est trop. Il s'est tué ici pour développer ses pectoraux parce que Pimous il n'avait pas de pectoraux. Il n'a pas toujours été comme ça. Si vous sentez les trapèzes sur cet exercice. Et vous faites ça. En général, voilà, c'est, vous faites ce mouvement là où vous haussez les épaules. Avant, je faisais ça en fait. Et là, je ressentais fort les trapèzes alors que là. C'est de travailler en strict. Attention, les élévations latérales, c'est un exercice d'isolation. La charge, elle est pas importante. Les épaules, c'est un des seuls trucs où tu peux travailler. Même en série 30, tu vas progresser. C'est vrai. What's gaming? Salut les amis! C'est one de dingue maintenant. Allez voir en description, les gars. C'est un vrai youtubeur. Hein, Oui! Ah, il est trop bien, ça. C'est ça qui est bien dans les salles. Pas les chaînes de fitness, les petites salles comme ça, il y a tout le temps des petites surprises. Les salles indépendantes. Ouais, les salles indépendantes, il y a toujours une ou deux machines comme ça qui te titille, qui te fait un peu briller l'œil. De toute façon, ils vont la voir la différence comparé à la première séance des confinements. Ce t-shirt-là, je rendais tout gras dedans. Non, mais ils vont le voir avec le QVPDM de mercredi. Donc attention, hein, les questions de bâtard qu'il m'a posées. Vous allez voir ça, mais vous allez voir le physique de Pimous, il a bien bougé. Vraiment les cures, faites des cures. Des cures de vitamine. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il y a un abonné, je sais pas si tu retrouves le commentaire, tu le mettras. Il te dit d'arrêter de trop blaguer là-dessus parce que les gens, forcément, ils vont y croire. Mais Inch'Allah, ils croient, comme ça, je suis content. vous savez, je voulais vous dire un truc. C'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, il m'a avoué qu'il travaillait jamais les épaules. Ouais, je regarde. C'est quoi ça, frère? À quel moment? Ouais, vas-y. C'est comme quand je dis, j'ai jamais travaillé les bras, c'est juste que moi, j'aime bien travailler pec, dos, jambes. Et de temps en temps, dans l'année, on va dire 3 mois sur 12, et je fais des séances épaules et des séances bras. Bah, y a pas de mesures qui sont prises, mais là en vrai ça sert à rien. On est 3 dans la salle. Y'a le caméraman, Pimous et moi. Ouais, l'amplitude, chaud. Non, mais sur les épaules, t'as pas besoin. Sur les épaules, faut rester ici à 90. J'ai la souplesse donc je descends plus bas moi. Ouais, mais moi aussi j'ai la souplesse, mais le problème c'est que c'est tes pecs qui vont s'engager. Je descends pas. Ah ouais, tu travailles pas du tout en lourd là. Les épaules, je peux pas, j'ai aucun ressenti en lourd. D'accord. Et bon, en début, en salle, je me rappelle que je les ai développés en les travaillant en léger. Hop. Et là, regarde, moi je m'arrête ici, les mains au niveau des oreilles. Ouais, normal. Et je garde tout sur les épaules. Ah, ça fait plaise. Allez. Tu prends quand même 2 minutes de repos là. T'es fou, j'ai pris 1 minute 15. Ah, frère. Dire, ouais, faut prendre moins. Non, 4 minutes, frère, on fait du soulevé de terre. Ouais. Si les charges descendent, les temps de repos aussi, hein. Regardez-moi ces têtes là. Oh. Allez gros, fais-en 12. Oui. Encore. Tu peux encore. Tu peux encore. Ah, tu peux encore. Ah, tu m'as dit 12 et 12, arrête. Wesh. Gros, il y a un problème, non? T'as oublié d'enlever un disque? Ouais. Wesh, j'en ai rajouté un. Oh, c'est normal. C'est parce que je veux que tu sois fort à gauche. J'ai vu un petit déséquilibre là à gauche. Ouais. 4000 vues sur la dernière vidéo, merci. La base. Donc là c'est la suite, hein. On a Carpe Diem, on va visiter toutes les salles pendant le déconfinement. Il me dit je suis pas prêt pour l'Italie, c'est un menteur, ah ouais. Ah. Non mais moi c'est quand j'ai un peu de ventre, j'aime ouais, pas. Ouais, vas-y. Au niveau des bras, je serai toujours sec. Mais le ventre, faut vraiment que je fasse une sèche pour que ça soit bien sec. Tourne, fais ta pute, vas-y. Non mais montre un peu à la caméra, tu montes là-bas, t'es marrant toi. Il est très bien.
Non, 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 non. Non, il est plutôt beau gosse. Les abdos sont tellement épais. Arrêtez, tu veux que je te montre le nom? Tu vas choquer, voilà. Ma dernière, je la mettrai léger, je vais faire série longue. Série longue avec tempo lent. Ouais, faut travailler lourd, ta gueule. C'est lui qui dit ça, à chaque fois il me dit ouais, mais non, des charges, ça sert à rien de travailler léger. Les épaules, c'est un petit muscle, ça compte pas. Le dos, faut travailler lourd, les pecs, faut travailler lourd, les cuisses aussi. Ah, les bras, je les travaille pas, je m'en bats les couilles. Mais vous pouvez aussi travailler les épaules en lourd, hein. Y a pas de. Bien sûr, ça dépend des gens. Hein. Allez, maintenant tu vas me faire un tempo 3-6-1. D'accord? Donc 3 secondes, 6 secondes, 1 seconde, tu me fais une isolation complète. Va faire le musée pour là-bas. Écoutez pas les gars, chargez, poussez, ça va passer. Non mais il y a un poussé quand même à tempo là. On est sur juste 3 secondes sur la phase excentrique. Il n'y a pas d'arrêt. Tu vois, sur mes triceps, ça me gonfle. Ouais. Non, mes triceps, je les ressens trop facilement, j'en ai marre. Oh lolo lolo lolo. Oh, je m'abonne. Vous avez vu le physique de Chitin là derrière? Non, là c'est rien encore. Ouais, c'est rien. Non, pour l'instant c'est rien. Donne les produits. Ah, pour l'instant c'est rien encore ça. Non, mais là ça a bougé vite. Oh, bah, c'est normal, gros. Je fais pas de cheat meal, frère. Ouais, quoi que tu gardes à peu près les mêmes bras quand même. C'est pas. Et... Non, les bras flagrants non plus. Regardez le QVPDM. C'était un jour après le déconfinement. On est à quoi? Un mois? Un mois après le déconfinement? C'est au niveau de l'épaule qu'elle commence à se dessiner. On a combien de temps après le déconfinement là? Là on est. Ouais. En fait, il me dégoûte parce qu'il est énorme. Vous le voyez pas en caméra, mais il est vraiment énorme et il reste sec. Je confirme. Je suis très sec, mais je suis fin, les mecs. Hein. C'est vrai, il est énorme. Développé nuque. C'est pas un exo de débutant, ça. Oh non, pas ça. Pour les hommes. Ouais, mais la souplesse. Non, moi je peux pas. Je vais devoir le faire devant. Ils vont choquer quand ils vont voir la transformation, ouais. J'espère que j'ai pris. T'as pris des seringues? Ouais, bah ouais, et alors? Tu vois pas ce qu'il y a de mal? Vous avez un problème contre les seringues, monsieur? Ouais, interdit, interdit. Voilà, dès qu'on parle de seringues, on met moins de 18 ici. Pimous, tu mets moins de 18. Allez, avant de commencer, t'es obligé de dire force. Bien sûr, force. Et fun. Il y a un problème, là. C'est facile, je trouve. On va équilibrer. Non, 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 fais pas ça. T'en as fait une à droite comme ça? Laisse-moi faire ma série, frère. Ouais, de toute façon, les épaules, elles pas 45 000 façons. Ouais, je commence ça, là. Ouais, c'est parce que moi, je vais faire dedans. Ouais, vas-y, je te signale. Non, mais toi, tu le fais derrière. Derrière, c'est plus dur. Hein. Allez, Didier. Allez. C'est moi la cuisse, elle se plie léger. Voilà, quadriceps, il se trie un peu. Ah, vas-y, faut prendre la NX, c'est grosse couille là. Hein. Ah, elles sont pleines de testo, frère. Et ouais. Enlève le 15. Aïe, la fesse. Ah, la fesse fragile. Ah, je t'ai fait mal? Ah, sale. T'as crampé? Ah putain de merde! Allonge-toi! Allonge-toi! Ah, ça a tiré sur ma fesse! Ouais? Ah! Ah, ça revient! Ah. Ah putain, faut que ça passe là! Ça va passer par rapport à 5 minutes là! Ah. Tu penses pas qu'il s'est peut-être déchiré le muscle de la fesse? Ouais, si, c'est un truc dans le genre! Je pense que ça doit être une déchirure à ce niveau-là, s'il crie comme ça, ouais! Tu en appelles les pompiers? Non, non, non! Ah. C'est tout, on reviendra après la répète, ok? Vas-y, vas-y, bonne série. À tout à l'heure. Il a pas le choix. Hein. Mais si dans 5 minutes c'est pas passé, je te le dis, j'appelle les pompiers. Ah, ah, moquez-vous, mettez un like. Sinon, je le mets pas ce moment dans la vidéo. C'est moi qui fais le montage. Putain. Et comment je vais le mettre avec plaisir? Ah, il se foutait de ma gueule. Voilà, je suis content qu'il a eu ça. Chah. Renvoyez sur la vidéo des pertes. Si je l'ai dit, j'ai eu la même chose. Ça va s'afficher à l'écran. Bon, ça va, le zinc ambulancier, c'est bien occupé de moi quand même. Moi je l'avais laissé de côté et j'ai continué ma séance. Ça pue pas sur Allez voir la vidéo. En plus, bataille, il va le mettre dès le début de la vidéo, comme ça tout le monde le voit. Didio, c'est ton moment de travailler là, non? Non, là c'est mon moment de. Non, ça y est, c'est bon, tu cries plus, c'est bon, ouais, c'est le moment. Je le sens encore. Ok, ok. Oh. Je te montre un chef. Mais ça, je le filme pas. Attention, ta jambe, t'appuie pas trop sur la jambe de droite. Ah, c'est ce que je fais. Reste sur celle de gauche. Non, je vise pas trop les jambes, j'aime bien le mix. Tu vois Alex comment il aime bien être? Ouais. Le mix, c'est, je suis exactement comme lui à ce niveau. J'aime bien le mix. Moi je sais, je commence à apprécier ça. Être sec pour être en t-shirt et qu'on te dit tu fais de la muscu toi? Ouais, bah ouais. Non, en fait, bon. Quand vous êtes très très sec, quand vous enlevez le t-shirt, c'est beau, mais habillé, vous faites pas musclé les gars. C'est ça. On fait maigre. Alors que quand t'es en t-shirt et que t'es massif, ça se voit frère. Même en pull, on le voit quand je suis en hiver. Après, je vais travailler mon vacuum. C'est vrai? Ouais. Je le fais en ce moment pour mes codes. Je vous montrerai après. Ça prépare une pompette ou quoi? Non, mais c'est important. Pour les c'est important. Non, mais remets le t-shirt et tu l'enlèves en un moment. Parce qu'il n'y avait pas filmé. Non, mais... Mais le dos, c'est monstrueux. Hein. T'as vraiment un point fort dos. Oh, comme ça, tu les as bien bossé. Hein. Et quoi?
les ailes là. Non, on les a courtes. Je fais vrai. Ah, 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 non, allez, non. Allez, allez. Non. Ah ouais, mais ça, c'est on bon. Voit pas aussi en vidéo. Que je te dis un truc, pour l'instant, gros, je fais aucun effort sur la sèche. Enfin, à part ne pas cheater, je mange à ma faim. De toute façon, à partir du moment où t'as rien fait, dès que tu vas reprendre, tu vas reprendre. Et le truc, c'est que cette fois-ci, j'ai pas baissé mes calories fort d'un coup. Je tourne à 2400, 2500 et je perds encore là. Les yeux verts, je suis sûr, il se pique. Bien sûr. Ça, je vois que c'est à la souris, mais ça, entre nous, hein, je le dis. Jamais, jamais il se pique. J'arrive de là tous les matins. Ouais, j'ai un petit vaccin, j'ai peur déjà. Ouais, même moi. Vous avez vu comment j'ai pleuré là pour la blessure? Imaginez une piqûre. Bon, ouais. Là, l'avancée avant le Road to Bazinga, je vous montre. Arrête de dire Road to Bazinga, frère. Road to, on va baiser tout le monde, frère. Ah ouais? Non, on vise base parce que. Les canapés? Ouais, après, je suis énorme, on va te faire foutre. Je suis juste sec. Je suis sec, c'est tout. Pour te donner au même taux de masse grasse que moi, tu fais son bien. J'aime pas hein, faire ce genre de pose, mais c'est pas kiffé. Fais un vacuum, rentre ton ventre et sors les ailes. C'est pas sortir les ailes comme ça. Moi, j'aime bien ce genre. C'est mettre un peu de profil comme ça. Voilà les gars, donc Road to Base, activez la cloche. Là, j'aime pas les séances de pimous parce qu'elles s'arrêtent jamais. Il cherche à dormir ici. Ça, c'est, je l'ai lu sur internet, ça a des avantages des endomorphes si je peux faire des séances à tes ouais. Moi je maigris, hein. Oh, passer une heure, c'est mort. Deux exos arrière d'épaule, j'essaie de travailler beaucoup en ce moment, regarde comment il ressort bien. Ah, t'es gros aussi. Ouais, vas-y, laisse-moi tranquille, c'est le seul truc que je m'en fous et tu me dis et ça. Walid aussi, il va avoir des bons bras s'il continue à filmer, parce que le mesquine, tout à l'heure, il conseille la caméra. Alors là, vous avez pas le plan de G, mais moi je vois Walid derrière Pimous qui est quasiment à quatre pattes là. Vas-y, je vais t'assister, hein. Attends, je vois, attends. Allez. Je vais refaire les montages. Allez. Parce que depuis qu'il fait les montages, il met ce qu'il veut. Allez, je vais t'assister là. En plus, ces charges elles sont lourdes. Prochain entraînement, je le fais. Non, bah non, bah non, monsieur, bah non. Non, monsieur, il dit. Regardez les emails là, tout derrière. Colle-toi, Harry, viens. C'est énorme, ça y est, il n'y a plus de congestion là, les mecs, fin de séance. Voilà, c'est terminé. Hein. On avait plus de batterie, on est retourné. On était à courir, on était à 5 minutes. Putain, minutes. On a quand même fait 1h20 de route pour vous faire cette vidéo. Attends, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout et que vous nous écoutez parler là en ce moment. Ouais. Tous ceux qui sont quittés la vidéo là avant, vous n'êtes pas des vrais. 300 likes cette fois-ci, on va à Maison Alfort à Paris. Si on fait 300 likes sur cette vidéo, on va jusqu'à Paris à Maison Alfort. Oh, ah non, elle est trop bien cette salle. Voilà, je reste toute la journée. Il n'y a que ceux qui étaient abonnés quand on avait 500 abonnés là-bas. Qui ont vu la première vidéo qu'on a fait. On va jusque là-bas. D'ailleurs, moi je le rappelle comme ça, on a un Utip en description. N'hésitez pas à regarder des pubs ou à faire des petits dons. Cet argent, il sera réinvesti directement pour qu'on aille à la salle parce que ça va nous coûter de l'argent concrètement, de l'essence, les payages, etc. Oh, de toute façon, quand il c'est arrive, cool pour les projets. Je paye. Moi, je suis déterminé. Moi, j'aime bien, bien sûr. La chaîne. Je vais payer. Bien sûr. Mais si les gens veulent participer, le Utip, l'argent sera réutilisé que pour les projets. Ouais, vous le savez de toute façon. Maison Alfort, putain la salle, je sais pas si elle vous connaissez, il y en a pas beaucoup on en France, il doit en avoir 6 ou 10, pas s'appelle plus. On Air. On Air, ouais. Mais là où on va, c'est Maison Alfort, c'est la ville. On a croisé quoi de Guérini là-bas, mon bébé. Ses yeux, ils brillaient. Je me marie avec. Ses yeux, ils brillaient. Mais sinon, au niveau du déconfinement, bah, qu'est-ce qu'on a à dire de Carpe Diem? Bon, Carpe Diem, je pensais que c'était une chaîne de fitness qu'il y en pas avait partout tout, en France. C'est une petite salle. Mais c'est une chaîne, c'est une salle indépendante que vous devez pas connaître. La seule qui existe, bah, c'est à Courrières. C'est ça. Les flèches, le lavage de mains. La serviette obligatoire. La serviette obligatoire, il n'y avait pas donc de réservation. Pas respecté. Il n'y avait pas de réservation en fait, donc en vrai, il n'y a rien qui a changé là-bas. C'est ça. La salle, elle est vraiment bien équipée, mais la population, je la connais moi, c'est beaucoup de personnes qui ont plus de 40 ans qui vont là-bas et c'est très très tranquille. C'est ouais, beaucoup bah, de cours collectifs plus que de muscu. Donc vous l'avez vu, il n'y avait personne dans la salle, on était trois avec le caméraman. Walid, allez voir en description sa chaîne YouTube. Donc voilà, arrêtez de vous trouver des excuses si vous avez arrêté de vous entraîner parce que les réservations, parce que les mesures du Covid, c'est chiant. Il y a plein de salles encore ouvertes. Voilà, rien n'a changé, il n'y a que des petits détails, mais c'est pas contraignant. Donc voilà les gars, j'espère que la chaîne vous plaît, j'espère que c'est... Il meurt, il est en train de mourir. Pourquoi j'ai fait ça, ouais, c'est pas une chicha. Prendre la prod, prends pas une négociation. J'espère que cette mini-série vous plaît. Merci de nous suivre, merci pour l'engouement qui est encore. Abonnez-vous, il le rappelle jamais, abonnez-vous. Je vous fais confiance, moi. Non, il y a plus de 60% qui regardent nos vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous. Pour les nouveaux qui ne connaissent pas la chaîne, abonnez-vous. Ou même si vous ne voulez pas vous abonner, allez voir les autres vidéos. Vous allez voir que la chaîne, elle vaut le coup d'œil. Moi, je suis fan de Fitness Fusion. Moi aussi. On en est les créateurs, mais franchement, c'est vraiment une chaîne que j'aurais voulu qui existe lorsque j'étais pas youtubeur. Alors c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Imous et Didio. Faudra couper hein. Elle est où la force hein? Force et fun.